un chantier où on déteste le bruit. Les gars ont l'air d'être satisfaits de toucher pour la première fois au produit. Environ 17 kilos. Alors là, on a un bloc d'angle. Il est un petit peu plus léger qu'un bloc de plein mur parce qu'il y a un gros trou et un petit trou. Mais disons que pour une surface de mur environ du double de celle d'un parpaing, on est à peu près à un poids équivalent. C'est un produit souple, doux, donc qui n'abîme pas les mains. Bon, on a les mains blanches, mais disons que c'est pas un produit râpeux comme une brique coupante ou un parpaing où le grain de sable nous abîme, quoi. Le premier rang de bloc en définitive va nous donner l'horizontalité finale du mur en haut. Le cheminement paraît lent. Demain, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite et on est étonné après de la rapidité avec laquelle ça monte. On revient à une espèce de tradition où je ne veux pas dire qu'on compte pas le temps, parce que le temps c'est de l'argent, c'est économiquement parlant, on ne peut pas passer à côté, mais on vit les choses différemment.